Entre Gran Turismo, Forza ou la série des F1, les fans de simulation automobile sont bien gâtés par les éditeurs. Pourtant, aux côtés de Roux, c'était un peu la panne sèche. Mais réjouissez-vous, Ride 3 débarque bientôt et nous avons pu l'essayer en avant-première. Autant être clair tout de suite, Ride 3 est une simulation, une vraie. Pas question de laisser la main sous les gaz sous peine de se bâcher au premier virage. Un petit temps d'adaptation sera donc nécessaire avant de réussir à dompter son bolide, surtout en vue à la première personne. Eh ben oui, une moto, ça penche dans les virages. Et question bolide, il faut dire que le jeu propose un catalogue impressionnant. Plus de 200 motos disponibles et customisables. Les sensations de conduite sont différentes selon l'engin choisi. Et les aficionados auront même la possibilité de construire leur propre bécane, du châssis aux jantes alu. Pour ne rien gâcher graphiquement, le titre se défend plutôt bien, avec un rendu des véhicules et des environnements de très bonne facture. Ride 3 s'annonce donc comme une bonne pioche, capable de combler enfin le vide en matière de simulation de cyclomoteur. Mieux vaut tard que jamais.